poste marchand, il y a toujours une contrainte par rapport à poste l'audio qui tape et bien réagir pour permettre que l'individu eux-mêmes ne pas arriver à échapper pour lui. Malheureusement, il est allé, mais eh bien la police est arrivée et stoppé la machine. Mais faut que nous, selon information, toujours même commissaire là, dans nous, il y a un individu qui est blessé. Il y a un policier qui est blessé, excusez, il y a un policier qui est blessé en baballe. Jusqu'à présent, qui trouve sur l'hôpital, en pénurie en circulé, comme quoi l'État mourit, mais jusqu'à présent, bien, il est l'hôpital. Donc, pour elle est là, c'est comme ça, ça est. Si la sécurité a continué matin là, la police a toqué Konni avec bandit dans poste machin côté au dévié une tentative kidnapping qui tapé ses fêtes sous une famille femme dit nous tout en pile cartouche tiré population était aux abois et personne monde pas camper par rapport à ça passé là. Je regarde image là en pile balle tiré et machine yo semblait endommagée. Circulation t'a semblé reprendre la normalité. Et puis qui t'aime rappeler tout dans ville Okaï, commissaire gouvernement maître Ronald Richemond rencontré avec directeur départemental là, ouais comment la justice cap collé tête ensemble avec la police fait un mariage éternel et puis continuer goumen contre gang yo cap ferrailler dans pays pourquoi pas mettez tout le monde couché. Nous continuer toujours dossier insécurité coordination presse à relation publique et police nationale là à travers section audiovisuelle là a présenté nous un reportage sur l'arrestation Kenòl Kapitèn alias Kato yo membre gang Krazé Baryè qui gagne implication dans l'assassinat Marie Gauthier Franklin avec enlèvement Marie qui c'est Jean Franklin. N'a frappé nous tous des citoyens haïtiano-américains ça yo messieurs te touye Maria. Jean police nationale a présenté monsieur qui fait qu'on est c'est Maman Krazé Baryè équipe Vitelom qui pourquoi elle est là en ben la police obligé répondre tout détail ou accusation li ta gagné sous dol. En pile point à l'autre c'est pour le faire essentiel la nouvelle là pour journée jodia mesdames messieurs restez connectés ou branché Sophia TV83 réseau information gros réseau. Et dans Pétionville, j'en dis là, nous connaissons presque tout côté ça yo qui dernier temps ça cap venir là capable pas être très difficile mais nous sommes gardés avec Mackenzie Belizer comment ça est mais nous prêlons pour nous font arriver dans entraîneur capitale pays en talent comme ça avec Claude Naider Antoine qui chaque matin toujours aider une traversée ou même cap sorti et cabaret à cap sorti titanien sous là mon cap fait route ça cap sorti tout dans bon parti dans département la Tibonite pays d'Haïti ou même cap sorti dans département centre pays d'Haïti des pour quatre traversées qui témoigne cabrite ou pral connaissent que ou quatre traversées disons bien non bon parti dans commune Corde Bouquet que nous connaît dernier temps ça yo là mais Canaran rentré dans capitale paysan les paraît très difficile pour moun traverser soit à pied moto machine publique ou privée à cause d'un examen qui acheté en bas à l'argent content et c'est presque on t'a dit que ces régions métropolitaines, Pétionville, Delma jeudi, en bas la ville, Croix-des-Bouquets, c'est Negaxam illégal qui a fait railler dans zone Silao. Mais pendant que a fait railler, la police lui-même, bon côté parle, pas en temps de camper, non mission, qui s'est protégé avec ses vies, et continue à marier de présumés bandits, présumés ravisseurs, présumés à tout faire. Kenòl Kapitèn, membre gang Krazé Baryè, ben la police posait la patte sous lit. Non, Kenòl Kapitèn alias Kato li interpellé c'est BAC DCPJ pendant une opération supportée par BRI dimanche 26 mars 2023 dans Chanmas dans cadre quête sur assassinat Marie Gauthier Franklin avec enlèvement Marie Jean Franklin tous deux ces citoyens haïtiano-américains suite avec Zach Silla qui était faite dans domicile victime dans tabac 68 vendredi 17 octobre 2022. C'est gang Krazé Baryè qui gagne en tête d'éviter l'homme innocent, un mec qui a été posé ça. Kenòl Kapitèn te pris refuge dans Okaï, département sud paysan. Kenòl Kapitèn alias Kato, principal instigateur Zaxila, c'est David Joseph alias Tibla qui t'a dénoncé. David Joseph, la police t'a arrêté lundi 27 février 2023 dans Torcel pendant opération Tornade 1. N'a noté gagné Stevenson Charles, Fanfan Jules, Fania Julien acolyte yo, la police bio affaires criminelles a cherché yo, une entité qui c'est entité dans direction centrale police judiciaire pour même infraction ça yo. Au compte organisé entre commissaire gouvernement au Kaila Maître Ronald Richemond aka autorité policière dans le département sud paysan, directeur départemental site PNH Daniel Compère, mais aka commissaire principal là dans le bureau commissaire gouvernement au Kaila. Objectif à rencontre ça, c'est pour garder qui la police aka la justice après mettre tête ensemble pour freiner le phénomène insécurité qui voulait installer dans la troisième ville paysan. Commissaire gouvernement au Kaila Maître Ronald Richemond prôné sanélé zéro tolérance contre bandits dans le site paysan. Chef paquet au Kaila démenti information qui fait croire qu'il y a division entre lui-même à 4 DDS. Nous allons inviter de côté commissaire gouvernement au Kaila Ronald Richemond dans micro-correspondant permanent nous Jean-Vanel Soliman depuis département sud pays et d'Haïti. Ensemble de bruit qui a coulé, qui a circulé à travers non seulement la juridiction des cas, mais à travers le pays, qui fait que comprendre que la police et la justice, donc ils ne pas monter même cheval. On me dit bien que la police avec la justice, ils supposent travailler ensemble, ils s'allient, ils savent toujours y. Donc lorsque on a fait circuler ensemble d'informations, il n'est pas bon pour santé public, sécurité pays à zone non, mais il fait affaire à un ensemble de monde et de bandits qui besoin et quelques trous pour filer pour faire ZAC. Donc ZAC qui fait dans la ville là, il interpelle la justice, il interpelle la police, autorité chef, pour que nous joignions un modus operandi pour nous mater et pour nous arrêter les bandits ou bien pour nous mourir tout. Parce que nous avons zéro tolérance à tout le monde, tout bandit qui a des armes illégales, qui a mis de l'eau dans les populations. Parce que nous ne pouvons pas crier encore. Les gens qui pour crier, c'est bandits, c'est ma famille pour crier. Ça fait que nous vivons avec zéro tolérance pour tout le monde qui a mis le monde là. Parce que au cas lui-même, ça lié, la vérité, ça lié. Donc, afin de, on dit la police ou bien DDS a des problèmes avec le commissaire Richemond, donc nous souhaitons que nous suspendions répéter les. Donc la police avec la justice pour continuer le travail, que sécurité établie, gentilée dans le sud et dans la juridiction des CAI. Donc il y a des nouvelles mesures qu'on prend, parce que le DDS a lui-même qui est habilité pour dire qui ça, que lui-même qui est en plan pour que la sécurité a retourné gentilée au plan. Voilà, au côté, commissaire gouvernement au Kaila, concernant rencontre ça qui était gagné entre lui-même avec autorité policière dans le département, directeur départemental SID PNH Daniel Compère, directeur adjoint commissaire principal dans le bureau, commissaire gouvernement au Kaila, directeur départemental SID Daniel Compère annoncé zéro tolérance tout contre tout le monde, si tiré cap, si tiré bandit dans le département, chef la police a annoncé signal là pour aller dans le jour cap venir là pour capable croiser action en gang de côté Daniel Compère. Oui, sous même lancé, je profite de saluer la presse en général, parler critique télévisée. Maintenant, nous voulons clarifier pour le grand public là que la police avec la justice dans le sud, ils réunis maintenant, on l'autre fois encore, c'est pour prendre des dispositions, la disposition drastique. Par rapport à la situation qui avait évolué dans le département, qui tente pour évoluer dans le département, pour mettre dans nos yeux petit département studio. Nous comprenons que si la police n'a pas la justice avec lui, il y a un maillon en chaîne qui est faible. Si la justice également n'a pas la police avec elle, il y a un maillon en chaîne qui est faible. Et c'est un souci pour renforcer la sécurité dans le sud, afin que gros partie de la population qui a besoin de sécurité confortable pour circuler et vaquer dans toute occupation. En toute quiétude, nous avons une pile disposition et dispositifs que nous avons mis en place pour nous que la notion de sécurité n'est pas une tendance, mais une réalité pour nous ne pas jouer pleinement. C'est bien dommage. La police, c'est une institution, nous connaissons toujours mentionné ça. Bien de dispositions que la prend, je ne suis pas capable de divulguer à la presse ou au grand public. Mais comme CG, il dit clair, zéro tolérance à tout le monde qui a des armes illégales. Je ne vais pas ajouter moi-même. Zéro tolérance non seulement à tout le monde qui a des armes, mais zéro tolérance à tout le monde de connivence à monde qui a des armes, qui a serré et qui a fait monde ça passer comme premier chef. Côté où ces populations département sud. Voilà, on tape côté Daniel Compère n'a pas appelé pour seulement mois mars là 4 moun tombé en balle dans ville Okaï Kakipiris et aussi assassinat gros businessman dans ville là Tate Mura après 3 journées d'examen touyer commerçant le Nitratius. L'autre dossier nous a toujours été avec dossier après nous sorti Okaï Blaise Peterson. Bonjour qui s'était tourné là dans Port-au-Prince après nous sorti Okaï avec responsable la police avec responsable justice dans le gouvernement, pour nous parler de commissaire gouvernement, qui est même dans le cadre de la conférence Tête Ensemble Saoté Baye, Ronald Richemond, commissaire gouvernement au KL, ensemble avec responsable police département, qui c'est Daniel Compère. Un groupe jeune garçon qui dit que pris en formation dans différentes bases militaires, tu es présenté devant le ministère de la Défense hier matin lundi, côté reprendre un document pour exiger intégration dans force l'armée d'Haïti, jeunes saillants qui eux-mêmes faire qu'on est là, ils ont assez formation pour aider pays à combattre question insécurité. En côté quelques là-dedans qui étaient dans mes collaborateurs non, Jean-Philippe Marseillan. Présence sociale parce que là les très significatif. Donc le 27 mars 2018, le 27 mars 2023, ça fait 5 ans depuis que l'état-major a installé dans la tête l'armée. Donc, nous-mêmes, nous sommes des jeunes qui étaient pour formation dans la base militaire, mais j'ai lamenté toute base qui existait. Nous avons des commandants en tête, nous avons une formation militaire, bien qu'elle était informelle, mais quand même question de bataille qu'elle était. Je dis en cas là, nous avons écrit, et quartier général, nous avons écrit, et ministre, nous écrit général, c'est ministre de Défense, nous écrit général là, et nous écrit DDO qui sont prêts pour que ça n'a fait son bagage qui est légal, qui est formel. Donc, présence là, c'est pour l'intégration, nous. Je dis, nous t'étendons que le premier ministre là, qui est dans tête pays, qui dit que faut l'armée révoluer avec la police pour ben si quoi par rapport avec cochon petit pays nous même en tant que monde qui était bataille qui était dans base militaire nous là ressources là nous nous voulons intégration nous c'est pour ça que nous là pour nous faire suivre lettre que nous te faire nous voulons bataille nous mêmes jusqu'à présent nous gagne lucidité nous gagne tout temps que nous ta bataille 7 yo prend des 18 ans à 25 ans mais l'on t'ai commencé bataille nous te gagne 18 ans tout 18 ans prend nous dans bataille là mia je dis là nous demander encore une fois intégration nous pour nous capables de résoudre le problème des conseils et la police et l'armée, pour nous travailler ensemble pour résoudre le problème insécurité dans le pays. Jusqu'à présent, ils disent que les tout là, ils ont accepté, ils ont fait suivi, c'est ça qu'ils disent, jusqu'à présent, ils ont fait suivi. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse qui est positive. Et bon, finalement, nous n'avons pas arrivé à un ministre, nous sommes arrivés dans la salle de garde. La salle de garde a dit que ils ont fait suivi. Donc, c'est ça qu'ils disent comme détail. Donc, nous sommes sortis et nous venons là pour nous dire mais ça gagne. Donc, nous avons assainissement qui est pour nous faire. Ils disent que c'est l'Amérique qui est responsable de l'assainissement. Nous, maintenant, qui garde, c'est l'environnement. Nous, qui avons fait l'assainissement, nous, qui sachons qu'on fait, qui ne peut pas faire encore. Ils disent que c'est l'Amérique pour l'écrit. Donc, nous, c'est soit ça qu'on ne peut pas faire encore. Ah, nous, gagnons, bon, nous, parce qu'il y a n'importe deux pelotons. Deux pelotons égale à 36, c'est la 72 000. Mais nous, même en soi, nous avons 5 000 jeunes femmes qui ont fait formation militaire. Ils sont partis, ils sont morts, ils sont entrés dans l'armée à tout. Ils ont arrêté, nous, ils ont mis en prison pour qu'ils soient l'armée. L'intérêt pour nous, mais pour l'armée, ils ont été des fous. Je dis que, ils ont rentré, ils n'ont pas besoin de nous. Tout le monde qui l'a été traité, nous foulons qu'on a gommé. Nous avons sachet de l'eau à 5 nous avons mangé à 10 pour de l'eau dans la base. Nous faisons résistance jusqu'à présent, de 2010 à nos jours. Nous avons commencé à parler depuis 2004. Si fait tout ça, nous ne pouvons pas traiter de bagages dans le pays parce que nous sommes cohérents avec le pays, nous voulons battre pour le pays. Exactement parce que nous avons une formation militaire. C'est militaire qui forme nous, nous ne pouvons pas peut-être dans la base comme ça. C'est des sergents, ils ont qui ont l'état-major qui ont visité la base. Exemple, nous apprenons et nous ne pouvons pas connaître Bagidi. Nous apprenons et nous sommes des gens qui ont l'état-major. Nous connaissons nous exister. Pourquoi ça n'a pas intégré nous? Si tu n'as pas été là, nous avons le dossier, nous avons le service d'investigation. Depuis le que nous avons fait pays, pour nous tirer et sécurité dans le pays. Parce que c'est manque de cohérence. Donc, nous avons en soi dans le pays, pas les jeunes garçons, jeunes filles, entre rien. Les comptants de nous avons conseillé des bagailles et puis ils dit, c'est là. C'est fiscal, c'est fait. Je dis, nous n'avons pas fiscal jusqu'à présent. Nous attendons notre cohérence, nous attendons jusqu'à présent. Nous avons continué avec information gain force regroupement mystique qui organise un gros remblai dans l'idée pour débattre sur problème mystique qui a frappé pays d'après responsable regroupement ça met Makature Douya expliquer problème mystique yo c'est une cause qui la pays dans la folie trouver journée jeudi dans sens ça proposer pour une tête ensemble qui jeune façon pour retourner dans racine dans côté Makature Douya pour plus de détails proposition ou attendez là. Proposition nous fait, c'est que d'abord, il faut qu'on retourne à racine. C'est ça, identité culturelle nous. Ça, c'est une bagaille parce qu'ils fait abandonner. Toute proposition qu'on le fait, c'est des propositions pour contrecarrer plein ennemi. Parce que pour ennemi amener au côté, il faut perdre du tête. Il faut perdre du racine ou identité. En connexion, nous sommes pour exemple, c'est pas bon. Il faut chaque haïtien commence à comprendre. Pour que ça journée jeudi, il y a des non français, il y a des non colons, il y a des non européens. Maintenant, côté au sorti, côté gagnant, maman au sorti qui pratique. Jusqu'à présent, il y a un vaudou, et vaudou, c'est seul bagaille nous kembe. Yo fait nous connaître le diable, yo fait nous rentrer, nous gérer dans l'hypocrisie. Nous sommes toujours restés des marrons, et c'est dans ce contexte de marron qui fait que, sous besoin de la situation actuelle du pays d'Haïti, il faut que, Walnan Saorele, esclaves à talent, esclaves des champs, esclaves comme Simdazou et affranchis, et puis, vous comprenez tout type d'esclaves de maison. Mais l'on devait faire indépendance, qui ça nous fait? C'était esclaves des champs qui puis maltraités, c'est eux-mêmes qui ont été martyrisés. Ce sont les plus oppressés actuellement qui est-ce qui aiment les âmes. Les plus oppressés, nous qui aimons depuis des temps. Nous pouvons pouvoir, nous faire espoir, c'est là qu'on cherche vote. On cherche vote, et puis quand nous finissons bon, ils ne vont pas gagner l'école, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas... Mais en toute action, il y a une réaction. Le coup, là, nous besoin d'une balle et balle. Nous disons, ok, bandit, ceci. Oui, oh, bandit, m'ba approuver quelqu'un qui a fait bagaille, mais nos dirigeants, bon, actuellement, nous plus chita, nous derrière monsieur Sayo, qu'on oriente tête nous vers des gens qui ont responsabilité pour gérer en tant que peuple. Qui là, nous va comprendre qui prévient. Et ceci dit que, ces mêmes gens, nous pas comprendre, nous, dans la famille, nous. C'est ça que nous pas révolter. En tant que papa, nous avons famille, nous. Et là, nous avons famille, nous. C'est nous pour qu'on la caille, nous a besoin. Et si nous n'avons pas le plein, si nous ne manger, nous fait bousin, ou bien fait tout ça, qui tombe dans le volet, qui sont qu'à dire. Est-ce qu'on te fait? Pour gagner, ça aurait les droits. Faut qu'on devoir. Est-ce qu'on fait devoir? Est-ce que le gouvernement ça fait devoir? Bandi ont fin touye Marie Gauthier Franklin, 80 l'année, boule cadavre et puis kidnappé Marie victime là, Jean Franklin, dans date 7 octobre 2022, dans tabac 68. La police tape cherché tout le monde qui était impliqué dans Zaxila. Je quitté lundi 27 février 2023. C'est le contre enlèvement, une entité dans DCPJ, rivé arrêté Joseph David, alias Tibla, membre actif, gang Krazé Baryè, Vitelom innocent à diriger. Jean Franklin, pendant une parade d'identification suspect dans DCPJ, t'arrivé identifié Tibla comme un monde qui t'a négocié rançon avec famille dans l'espace qui séquestré là jusqu'à ce que les jeunes libération li. On vient là vendredi, dans samedi matin, on vient là, on a passé un petit peu de temps à identifier, parce que nous sommes au courant qu'il n'y a pas de sang. Là, on a des CPJ. Qui n'est-ce que tu vas te faire? Qui va te faire? Non, quand elle a audition, qui te va te faire? Qui va te faire? Petit d'abord, on dit comment, mais si on va passer comme ça, il dit, mon victime là, il a toujours quitté plein. Avec numéro. Si que quitte numéro, on va être simple. Si que participe non va comme ça, que on a une minute d'identité visage, que on condamne. Quelques jours après arrestation li, David Joseph alias Tiblan t'a pral dénoncer Kenòl Kapitèn alias Kato comme principal monde qui t'a organisé complot. Pourtant, Kenòl t'a voulu faire quoi, il pas gagné pour exacti là. Vitelom. Pas pour nous qui sont dit groupe ça fait la gao. 6 octobre. Toi qui jeune garçon à cause à parfois entrer la caille quand ce Jean Franklin vous prend machine le tue le brûler caille là voilà quand qui est la caille là c'est le témoin de victime yo maintenant victime yo vous c'est un homme qui doit faire négociation parce que le tire d'amant et puis aucun bébé sûr c'est un homme qui doit faire négociation pour rançon pour libération monsieur. Parce que tout le monde a identifié côté dans la négociation. Tout le monde a changé SIM tout sur la veille. Il a passé dans le vendredi, dans le samedi, après-midi, je suis pas train de l'écouter. Sur le téléphone, il m'a avisé. Il a donné le nom, il a dit que non, on connaît madame, on est en soi. Mon nom est monsieur, c'est tout ça possible. Mais là, tout ça possible. Si Gilbert fait tout ça possible pour libérer l'hôpital. Qu'est-ce que c'est Gilbert? Gilbert, c'est petit monsieur Franklin. Il a vu aux États-Unis. Et puis, les lieux, tout comme les lieux, les bagages, c'est les mêmes seulement qui sont disponibles. Parce que les gens qui ne pas changer de numéro, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Et puis, les venus, les soumis, ils me disent, on va changer de numéro. Ils me disent, non, on va faire ce numéro-là, on est stable, on va pas les faire de numéro à toujours. Kenòl Kapitèn, qui c'est moun qui tap travail la caille victime yo, après ça là, tal caché dans ville Okaï, dans département sud pays a. Dans cadre poursuite enquête là, agent de DCPJ yo réalisé un filati jusqu'à ce que yo arrivé mettre en bas code Kenòl sous son masque là. Son masque là. Ça t'a fait son masque. Comment il est? Qui va tenir votre avec ce masque? Je me sens en face de la tête. Parlez-nous. Après ici dans le film passé, ce qu'on a fait au CAI. Après ici dans le film passé, mal au CAI, on descend quand on y est, monsieur Parfait, qui est venu les lignes, il habite presque 8, on fait 8 jours là. Ce sixième jour, il me dit comme ça que Marie, les mamans, les dire comme ça. Il était déplacé dans la CAI avec nous. Il n'y a pas qu'à dire ça, il y a l'autre madame qui est dans la salle, madame qui est chef, madame qui est heureuse, mais qui est la fille. Madame la fille dans la salle, qui est sur la café. On va dire qu'on est là, parce qu'on va écouter le cabinet. On va dire qu'on va mettre nos amis, on va payer marché, on va manifester, on va manifester. Où est ton passé au Caïn? De 22 octobre à 9 jours. Ça t'a fait au CAI depuis du récent. Tiblan, d'après information la police disposée, gain implication présumée dans l'assassinat directeur académie police là, commissaire divisionnaire Arrington Rigaud, je quitté vendredi 25 novembre passé à Tiblan Jeto, Wall Sentinel pour chef gang Vitelom. N'a fait connaître, dans le cadre même dossier ça, gain plusieurs autres monde de CPJ à chercher, tant que Stevenson Charles, Fanfan Jules, Épiphanie Julien. What do you do?